Grosse frayeur dans cette petite ville de 2000 habitants. En pleine nuit, un père de famille entend des bruits de craquements réguliers pendant plusieurs minutes. Il se fait un café avant de vérifier les abords de son immeuble. Cambriolage, volet qui claque, il imagine tous les scénarios, mais pas celui-ci. La poutre, en fait, elle est pas très loin de la cafetière. Puis j'ai entendu claquer encore une fois de plus. Et puis ben, là, je me suis retourné, j'ai regardé le haut. Et puis ben, effectivement, on voyait la poutre qui était en train de descendre petit par petit. Quoi. Comme le château de Montbron, la plupart des maisons situées aux alentours datent du Moyen-Âge. Dans celle-ci, c'est une poutre porteuse de la bâtisse, âgée de plus de 2 siècles, qui menace de céder. C'est une vieille poutre, voilà, ça peut arriver à tout moment, sur n'importe quelle maison, même sur une maison neuve, ça aurait pu arriver, un nœud, voilà, c'est un nœud. Hein. Voilà, hein, le propriétaire y est strictement pour rien. Manon, la compagne de Grégory, préparait un biberon quelques instants plus tôt, juste en dessous. J'ai pas fait gaffe plus que ça, je regarde pas la poutre hein, en pleine nuit. Surtout qu'on est à moitié dans le coltard, mais bon. Là, j'avais juste envie d'aller me recoucher. Mais bon, ça a vite coupé. Appelés en urgence, les pompiers interviennent pour sécuriser la zone et empêcher l'effondrement. L'opération mobilise plus d'une vingtaine d'hommes et se termine au petit matin. Là, le propriétaire va passer pour constater, appeler un menuisier, voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et voilà, là, ça va être se tenir au courant avec les assurances. Voir comment on fait pour avoir un autre logement et tout. Donc, voilà, pour le moment. Et puis voilà, ça sera déjà bien. Un bouleversement pour la famille qui s'apprête à s'agrandir. Manon doit accoucher dans moins d'un mois. Les logements d'urgence prévus par la mairie sont tous occupés. Pour l'instant hébergés chez des amis, ils espèrent récupérer leur maison d'ici la fête de Noël.